Bonjour Morgane, comme tu le sais, je travaille sur CLPA et je débute sur SBCP. J'aurai à nouveau besoin de ton aide. Bonjour Christelle, bien sûr, comment je peux t'aider? Alors j'ai reçu une notification de la CARSAT, j'ai mes deux taux accidents de travail qui sont modifiés au 1er janvier et je ne sais pas comment faire ce changement dans SBCP et surtout vérifier leur attribution salariale. D'accord, pas de souci, je vais te montrer comment faire. Tu verras, rien de plus simple. Alors je te montre. La première étape, ça va être de le modifier au niveau de la fiche de l'établissement. Donc dans le menu dossier, dans l'établissement, fiche de l'établissement, dans l'onglet organisme, on retrouve les différents taux AT qui sont paramétrés au niveau de notre dossier. Si on a besoin de les modifier, j'active la modification en haut à droite et je peux venir faire le changement. Par exemple, si celui-ci n'est plus à 1,40 mais à 1,35, admettons, je le modifie. Si besoin de modifier plusieurs lignes, on peut les modifier directement. On enregistre bien en haut à droite pour mémoriser notre modification. Et la deuxième étape, ça va être de vérifier au niveau des fiches salariées le taux qui leur est attribué. Donc pour cela, il faut aller dans Salariés, Liste des salariés. Une fois qu'on a notre petite liste, on va pouvoir aller dans chacune de nos fiches salariées à l'aide du crayon. Par exemple, je vais prendre ce salarié-là. Et dans les menus qui nous proposent à gauche, il va falloir se positionner au niveau de l'emploi. Donc je vais dans l'emploi et je retrouve le taux. Ici, si je clique sur la petite flèche, je vais avoir les trois taux que j'ai dans mon dossier et je vois bien la modification que j'ai faite. Si je veux utiliser ce taux-là, je le sélectionne, j'enregistre bien et je fais de même dans mes autres fiches. Oui, effectivement, c'est pas très compliqué. Donc, j'ai bien tout noté. Donc, modifier dans l'établissement et ensuite vérifier dans la fiche salariée l'attribution. C'est tout à fait ça, t'as tout compris. Bah écoute, c'est super. Est-ce que t'as d'autres questions? Pas pour le moment, mais je n'hésiterai pas au besoin. Avec plaisir. Bonne fin de journée à toi. Merci Morgane, bonne journée à toi aussi.